On retrouve dans cette chambre trois adultes, les parents de Santiago qui sont interpellés, la grand-mère de l'enfant, deux autres enfants de 10 ans et 3 ans, ainsi que le bébé qui est très très vite examiné par les services médicaux néerlandais. Et à l'heure où je vous parle, je dirais que les informations sont plutôt rassurantes quant à son état de santé.